Moment très reposant au camping Le Roux. Et pourtant, je me réveille à 5h du matin, je nettoie mes affaires et j'ai le droit à un petit coucou du chien, avec qui je joue 5 minutes avant de partir sur les coups de 8h. Maximum. Ça grimpe mon vieux. Je suis en train de payer la descente de ouf de tout à l'heure. Oh. J'allais dire c'est pas le bon endroit pour crever et tu vas voir que je vais crever là. Voilà, allez, vas-y. Tu peux aller encore un peu plus vite si tu veux. Je n'ai accès à aucune ferme aux alentours et je veux me tenir à mon idée de base de ne pas dormir dehors. J'ai donc trouvé un endroit qui s'appelle la station. C'est une ancienne gare abandonnée, transformée en camping. Après un très bon accueil et comme je suis au cœur de la région des vignes, je décide de goûter leur vin. Tranquille ce petit pub, avec une petite bombe en haut. Et le soir venu, j'installe ma bâche. Je viens de reprendre la route, je viens de quitter The Station. C'est vraiment sympa malgré le bruit le soir, mais bon c'est normal, c'est un peu tous les campings pareil. Hein. J'étais la seule tente, enfin une tente, ma bâche quoi. Une bâche et un van. Voilà, dans tout le camping. En fait, c'est une ancienne gare abandonnée. C'est vraiment assez stylé. Et la nuit, pour juste poser la bâche. Parce qu'en fait, ici, on peut pas dormir sur le bord de la route. Sinon, ça reviendrait à dormir là. Et on peut pas aller plus loin parce que tout est privé. Tout est privé. Alors, je me plaignais de la France comme quoi tout est privé. Mais là, cette région, c'est pire que tout. Parce que tu peux pas sortir des routes. Pour la nuit, ça revient à 8 euros. Pas des mecs qui viennent te réveiller la nuit, parce qu'en fait ici la dernière fois comme j'étais obligé de squatter au bord de la route, bah, les
bagnoles, la nuit, les flics qui viennent. Bon, mais je dors mieux quand même dehors que dans un camping, hein, parce que le bruit, tout le monde fait la fiesta, moi j'ai envie de me lever tôt. La preuve, du coup, je suis couché tard. Bah voilà, je suis à 8h sur la route et il fait déjà super chaud. Mais bon, ça va le faire. Ce soir, je suis invité chez John. Ça fait 3 jours qu'il m'attend, parce qu'on s'est croisé à Berrydale. Alors... Oh, je prends une photo ici. C'est stylé. Ça me rappelle en soute de l'hélico où on était, où j'étais assis sur une ce qu'on appelle une couille. Une couille, c'est un réservoir en gros. Et là, c'était un réservoir vide et il y avait un pion en ferraille qui sortait. Et je l'avais dans le cul, quoi. J'avais trop mal et j'étais resté 2 heures comme ça assis. Impossible de bouger. Et là, c'est un peu la même chose. Alors, ouais, la selle, elle doit être confortable, je pense, mais pas tout de suite. Il va falloir encore un bon mois. Pour l'instant, c'est le cul qui se fait. Le cul se fait. Ce qui est bien quand t'es seul, c'est que tu peux gueuler ce que tu veux. Le cul se fait. Cul. Ils m'ont répondu. Là, j'ai ma crevaison lente qui a réparu. Il va me rester 47 km pour arriver chez John. Et ça va me faire ça tous les 5 bornes. But that's the life, baby. That's the life. Et ça, c'est des enclos à autruches. Ce serait trop marrant d'en voir. Bon, moi j'ai vraiment crevé, hein. Le truc qui veut plus rien comprendre. Là, je vais essayer de regonfler. Hello! Ah, tu me fais une salutation! Bah, c'est très beau! Continuez. Je suis sec. Ça, c'est ouf, hein. Pour sûr qu'il passe en dessous. Péter les... Petite pause, j'ai trouvé un coin d'ombre, c'est excellent. Avec la musique et les voisins sympas. Ça va jamais. C'est ouf. Les arbres, le trottoir, la route. J'arrive enfin chez John où j'y suis trop bien accueilli et revoir ce visage amical me fait énormément plaisir. Il m'aide à l'entretien du vélo et m'invite à manger. Et m'offre aussi une bière avant d'aller se jeter dans la piscine sous ce soleil brûlant. On va voir si c'est étanche.
bienvenue chez John. Oui, bonjour. Je crois que j'ai embarqué la bleue. Même Bat a décidé de se la couler douce au bord de la piscine. L'accueil chez John est incroyable. Je découvre la ville d'Auchoren, ainsi que ses particularités comme ses œufs d'autruche peints. Nous passons une superbe soirée avec John et toute sa famille. Et la nuit tombée, nous admirons le ciel étoilé. John a plein d'anecdotes et je découvre cet hémisphère sud qui est totalement nouveau pour moi. Après une bonne nuit de sommeil bien reposante, je dis au revoir à John et sa famille qui partent travailler au petit matin. Ok, c'est réparé. Je finis de réparer le vélo et je prends la route dans la matinée. Direction les gorges de Meyrinsport qui sont une réserve naturelle et qui apparemment vaut le détour. Thank you. Bye. Alors. Tomorrow I will start at 4, yeah. Tomorrow you're on the fire again. Yeah. But I have a lot, I drink a lot. Yeah. And there's a sun. I was very tired. I remember some breakdown now on your drum so far. Hey, I fixed it at the shop. That's about that. I believe you have some paper. I have spare parts, yeah. Do you participate to the races? No! When I was very young. Yeah? Can you guess my age? 40, 50? 66. Okay. Oh, well, the sport is very good for the health. I'm an old man. In France, you say? In Brittany. Brittany? Yeah, the northwest. Yeah. It's the province in France. Yeah. Yeah, it's winter now then. Yeah, winter now. Yeah. But in summer we have 30, 35. I'm running lost though. No? Yeah. And Johannesburg? Johannesburg, yes. Yeah. But the northern Cape, on your way now. Okay. Very quiet. That sounds good. Very important. To stay alert. Stay alert? Don't talk to strangers. Yeah, yeah. Don't accept any help from strangers. Yeah. They want to help you and Okay. Okay, enjoy. Cruise of the way. Okay, enjoy it. Okay, bye-bye. Bye. That's nice to meet you. Bye. Okay, you're welcome. Mon premier connard. Le mec, il a klaxonné. Il y avait un camion devant, il a pas freiné du tout, il a essayé de me pousser dans le décor, je n'ai pas bougé. Et le gars du coup il a essayé de s'arrêter 50 mètres devant, il a ralenti, il est allé sur le bas côté. Moi je n'ai pas bougé, j'attendais de passer à côté, et puis il est reparti, vénère. Il y a vraiment du cassos des fois, je te jure. Oh la route elle est ouf! Cette route toute lisse, on n'a même pas ça en France. Faut dire à la mairie de Pau de venir s'inspirer de Derust. Afrique.
la vache. Il y a les arrosoirs là. Trop bon mon gars, trop bon. C'est l'entrée des gorges de Mellingsport. Et il paraît que c'est fifou. J'espère que ça vaut les gorges du Verdon. Hein. Ça a l'air stylé. Ça a l'air stylé. Oh. Oh. J'ai failli taper la bagnole. Le touriste de base. Je crois que j'ai encore crevé. C'est toujours le même trou en fait. C'est quand même... Ah, y'en a un là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ici, c'est pas des marmottes? Ici, c'est pas des marmottes qu'il y a sur le bord de la route? C'est des singes! C'est marrant, hein. Il est petit, lui. Il y en a partout. Salut toi. Hey. Hello guy. What do you find? There is some baboon. Yes. There. Yeah. It was funny. A little one like that. Yeah. Have a good day. Yeah, you too. Ça fait bien de virer un peu le chapeau là. Oh. Des trucs qui courent. Non, je sais pas, du mélange de marmotte et de lapin. Ce canyon il est fabuleux. C'est ça la cascade apparemment. Yeah! Normalement il y a des cascades là. Et les mecs ils me gardent mon bike gratos. Ça, c'est trop sympa. Se baigner. Là je me suis baigné, j'ai rencontré des Israéliens super sympas. Ils m'expliquaient que chez eux en fait ils font 3 ans d'armée, bon, 2 à 3 ans, obligatoire. Et pendant ce temps-là ils économisent de l'argent. Et après c'est une tradition de voyager pendant un an. Quand t'es vraiment au milieu de nulle part, c'est vraiment stylé. Après avoir savouré cette baignade dans les sources, je trouve un emplacement pour bivouaquer à la sortie des gorges de Mellingsport. Et j'attends que tous les employés aient fini leur journée de travail et quitté le canyon pour installer ma bâche et mon bivouac. Il s'agit d'un bivouac ultra temporaire car pour moi cette nuit ce sera réveil 3 heures. Afin d'affronter le début de la traversée du Grand Karoo, qui est ma première zone désertique.